On est mardi, nouvelle semaine, nouvelle séance de coaching, un nouveau circuit training pour se sentir bien. J'espère que vous allez bien cette semaine, que vous avez la patate, que vous êtes motivé aujourd'hui. Je vous rappelle, Terre de Jeu 2024, Hérouville-Saint-Clair qui s'implique énormément pour les JO Paris 2024. Pour le sport pour tout le monde, voilà, c'est vraiment important, je le répète toutes les semaines, mais parce que c'est la vérité, les séances que je fais ne sont pas dédiées aux sportifs de haut niveau, elles sont dédiées pour vous, chez vous, ok? Donc on se motive, hop, on prend son short, son slip, son t-shirt et on y va. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, on a 5 exercices, 35 secondes d'effort, 20 secondes de récupération pour faire monter un petit peu le cardio. On a bien sûr sa potion magique de l'eau pour s'hydrater entre les séances. Je vous montre les 5 exercices, on les détaille ensemble et derrière, c'est parti. L'exercice 1, simple, vous connaissez, vous avez un mur chez vous, j'imagine. Une petite chaise, voilà, pour bien brûler les cuisses, ok? Le bas du dos bien collé, la tête collée et voilà. J'essaye d'avoir les genoux bien sous mes talons et ensuite, c'est vous qui réglez l'angle entre vos mollets et vos cuisses. Si vous êtes à 90 degrés, c'est parfait, vous allez très très bien travailler. Voilà, 35 secondes de chaise. L'exercice 2, un petit peu de cardio. On va faire du twist. Comme la musique un peu. On reste bien en face, les épaules ne bougent pas. Et voilà, c'est au niveau du bassin que ça va bouger. Ok, on va sauter. Boum, 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 boum. On contracte bien les abdos, on regarde bien droit. Et c'est vous qui mettez l'intensité. Pour l'exercice 3, on va passer au sol. Tablette de chocolat. Les abdos, on va relever le bassin, la tête bien au sol, je vais venir, hop, juste mettre un petit coup de bassin pour relever le bassin, tac, tac, hop, et voilà, vous devez sentir que ça vient bien des abdos ce petit à-coup. L'exercice 4, on va faire une table inversée, hop, pour travailler encore une fois un peu les abdos mais beaucoup les lombaires. Je serre bien les fesses sur cet exercice-là. On regarde au ciel et voilà, vous faites une belle table, ok? Si vous voulez rajouter des difficultés, vous enlevez un pied à la table et voilà. Mais par contre, je veux bien les fesses serrées, les lombaires contractées et voilà, on regarde en haut. Nickel, ça sera pour l'exercice 4. Et l'exercice 5, je vais préparer un petit truc cardio quand même. Une montée de genoux, un kick. Montée de genoux, un kick. Voilà, ça bien sûr c'est l'option 1, l'option 2, c'est avec le saut, coordination, tac. Efficacité, rapidité. Non, là, j'en fais un. Ok, voilà, on a les 5 exercices, 35 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. J'espère que vous êtes bien échauffé avant. N'oubliez pas, un peu de corde à sauter, un peu de talon-fesse, un peu de montée de genoux. Tout ça pour faire monter la température du corps pour bien s'échauffer. Ok, je mets le chrono. Allez, 5 secondes. On commence par une belle chaise. C'est parti. Voilà, nickel. Vous avez vu aujourd'hui, je vous mets à table. Table inversée, petite chaise, c'est la fête. Allez, on souffle bien. On a 3 tours, je vous rappelle. Donc, si sur la première chaise, vous voulez rester un petit peu plus haut, surtout, n'hésitez pas. Voilà, vivement que tout ça réouvre hein, quand même. 2, 1, parfait, on se relève. Vous avez vu, facile, pas de cardio. On est bien, on peut voir. Un, c'est parti pour twist. Allez, on peut mettre les bras. Allez, on a tenté les bras. Alors, vous n'avez pas besoin de sauter haut. Si vous voulez sauter haut, on y va. Plus on va sauter haut, plus on va faire monter le cardio. Ok, tranquillement. Voilà. Les épaules dans l'axe. Hein. Voilà. Serrez bien vos abdos. Les abdos sont contractés là. Vous devez faire sentir le twist en fait. C'est le twist au niveau de votre centre, de vos abdos, de votre bassin. Un. Ok, repos. Parfait. Nickel. Voilà, exercice 3. Je vous montre différentes options, soit la 1,
La 2, vous pouvez lever les jambes et les allonger. Ou sinon, vous pouvez faire une jambe, redescendre l'autre jambe, je remonte. Ok ? Donc voilà, si vous ne pouvez pas relever le bassin, vous restez deux jambes, vous descendez une jambe, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Voilà, une jambe après l'autre. Plus vous descendez bas, plus ça va être difficile. Ne descendez pas bien bas. Voilà, sinon, voilà. Allez, les mains bien posées à plat, la tête au sol. Voilà. Ah, ça doit contracter les abdos. Allez. Ok, parfait. Aujourd'hui, je me suis mis en bleu. Voilà, j'avais envie. J'avais envie de dire ça aussi, donc voilà, je vous l'ai dit. Ça vous fait plaisir? Parfait. Ok, vous êtes prêts? Table inversée. C'est parti. Allez. Contractez bien vos abdos et contractez bien vos fesses, d'accord? C'est comme un gainage, hein. Voilà. Il y a une ficelle qui vous tire vers le plafond. Vous sentez votre bassin qui doit remonter le plus haut possible. Allez. Et on prend bien le temps de respirer. Allez, comme ça, si vous n'avez pas de table chez vous, c'est le moment pour vos invités de manger. Nickel. Repos. Allez, hop, on repasse debout. Donc pour le dernier exercice, je vous rappelle, si vous ne pouvez pas sauter, montez de genoux, coup de pied, ok? Mais même sans sauter, on peut mettre de l'intensité, ok? Allez, c'est parti, hop, hop. C'est une machine, c'est une machine. Allez, allez, allez. Allez, 15 secondes, on lâche. Allez, sans les sauts. Contractez bien vos abdos. C'est de la motricité, hein, coordination. Tout va ensemble. Ok, nickel. Fin du premier tour. Allez, on boit un peu d'eau. Allez, bougez. Vous êtes prêts pour une chaise? Allez, 2, 1, c'est parti. Je vais garder ma voix. Donc aujourd'hui, on n'a pas mis énormément de travail cardio. La semaine dernière, on en avait fait un petit peu. Il n'y a pas besoin de transpirer et d'avoir le cœur dans la bouche pour travailler. Ok ? Sur une chaise, on n'est pas essoufflé. Et pourtant, je peux vous dire que demain, vous allez sentir vos cuisses. Allez, 8 secondes. 3. Nickel. Allez, on récupère bien. On va twister. Allez. Allez, chacun met son intensité. Si vous voulez vous faire mal, vous pouvez y aller. Allez. Si vous avez des voisins, excusez-vous, mais vous en voudront pas. Allez, allez, allez. 2, 1. Ah ouais, ça travaille quand même un peu. C'est le but, hein. Nickel. On passe au sol. Wouah ! Bois de bois à la plage cet été. Sur vos abdos, quand vous descendez, pensez à bien arrondir le dos. D'accord ? La tête bien au sol et c'est parti. Allez. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent, vous pouvez allonger, chandelle, on redescend. Chandelle, on redescend. Pour les autres, tac, jambe en l'air, je descends une jambe, je descends l'autre jambe. Ok ? Hop !
Ok, nickel. Allez, on souffle bien. Ok, table inversée. 3, 2, 1. Et c'est parti. Profitez-en pour bien vous caler sur votre respiration, d'accord? Serrez les fesses. Je vous vois vous relâcher là, je vous vois. Serrez les fesses, contractez les abdos, allez. C'est important. Ok, parfait. Allez. On se remet debout. Cinquième exercice, dernier exercice du deuxième tour. Allez, si on n'est pas coordonné, c'est pas grave. On essaye de mettre de l'intensité. Si vous voulez mettre que des coups de genoux comme ça, que des montées de genoux, vous pouvez. Montées de genoux, kick, vous faites comme vous voulez, mais vous essayez de mettre de l'intensité. C'est une partition de musique en fait. Toujours le petit rebond. Allez, sans saut. Je monte le genou, je lance le pied. Ok? Vous devez sentir que vos abdos sont bien contractés quand je fais ça. Bam. C'est dur de reprendre. Allez. L'enchaînement sans saut avec saut, je vous assure, n'est pas facile. Nickel. Allez, on voit, on voit, on voit, on voit. On y va. Vous avez vu comme je galère à déboucher? Incroyable. Allez, go! Petite chaise. Allez, sur la chaise. On descend un peu plus bas. On est sur le dernier tour. Allez, on se brûle un petit peu les cuisses. On y va, c'est la fin. Allez, on met pas les mains sur les cuisses, ok? C'est trop facile. Allez, devant vous, 10 secondes. Allez, 5, 4. Parfait. Nickel. Allez, on laisse les cuisses pour aujourd'hui. On respire bien. Allez, on twist. 2, 1. Allez, c'est la fin. On met de l'intensité, on y va. Les épaules bien droites, ok? Les abdos sont contractés là. Aidez-vous des bras. Sans les bras, vous n'allez pas y arriver. Allez, on y va. Allez, 10 secondes, on accélère. Allez, comme un sprint. Il brûle, hein. Sentez vos cuisses là, juste après la chaise. Statique, dynamique. On passe au sol. Abdominaux. Pour avoir des tablettes. Allez. Vous êtes prêts dans 3 secondes. Allez. La tête bien au sol. Les mains au sol. Allez. Bam. Allez, allez, courage. Tac. Vous avez plusieurs options. Faites celles qui vous correspondent, ok? Allez, allez, jusqu'au bout. Deux. Un. Parfait. Vous sentez là déjà vos abdos là? Ils ont poussé, c'est sûr. Allez, courage. Deux exercices encore. Vous êtes prêts pour la table? Deux, un, tac, et c'est parti.
Allez, 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 allez. Je vais sentir ça brûler un peu au niveau des fesses, des lombaires. Ça veut dire que c'est bien. Ça travaille, ça veut dire que vos fesses sont contractées là. Allez, courage. Ok, repos. Dernier exercice. Montée de genoux, kick. Deux, un, allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est la fin. On met de l'intensité. On lève le genou plus haut, la jambe plus haut. Allez, allez, allez. Adaptez, si vous voulez faire que des montées de genoux, vous pouvez. Allez, montée de genoux. Boum, boum. Et on accélère. Allez, 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 allez. Deux, un. Ouh, terminé. Soufflez bien. Parfait. Ouh, c'est le feu. Nickel. Pour ceux qui veulent, je vous rappelle, 4, 5 tours, vous pouvez enchaîner. Allez-y. On récupère un petit peu, on va passer aux étirements, bravo à tous. C'est bien, on enchaîne les séances, on enchaîne les semaines, tout ça, ça va payer. Vous allez prendre une douche, derrière la journée, elle va être géniale, la soirée. Ça dépend quand est-ce que vous faites de quoi. Vous allez vous sentir bien, et c'est ça qui est important. On a transpiré, on a travaillé, et quoi qu'il arrive, on est fiers de nous. Et ça, c'est bon pour le moral. Allez, comme d'habitude, on s'étire. Clac. On souffle bien pour le quadriceps. Le bassin est engagé. Devant. 7 sur le mur si on veut. On regarde bien droit devant. Ok. Ça sert à rien de faire comme ça. C'est vraiment le bassin qui vient avancer et qui crée l'étirement sur l'avant de votre cuisse. Okay. Change de jambe. Je fais des notes ici comme ça. Allez. Les étirements, vous devez commencer à les connaître, hein, pour ça. J'en fais exprès du coup de faire toujours les mêmes étirements. C'est des entraînements qui sont basiques. On pourrait partir sur plein d'étirements, mais ça serait une séance de yoga. Là, on fait des étirements qu'on connaît, que je vous montre depuis le début, qui permettent d'étirer les quadriceps, les disques jambiers, les flancs un petit peu, et voilà, de bien se relâcher. C'est un stretching fin de cours qui permet de redescendre le cardio, d'accord? C'est pas une séance d'étirement. J'en étais où? J'en étais là. Allez, on fléchit légèrement une jambe, l'autre tendue, la pointe de pied relevée. Ok, on s'appuie sur la jambe qui est fléchie. Vous devez sentir l'étirement sur l'arrière de votre cuisse. On respire bien et on roule le tambour, tour de magie. On change de place. Nickel. Donc, je vous rappelle, les deux mains sur la jambe qui est fléchie. Les épaules sont bien basses, il n'y a plus aucune tension dans le haut de votre corps. Prends des grandes inspirations. On expire. Nickel. Allez. Dégourdis un petit peu les jambes. Je m'entraîne depuis des mois à faire ça et j'y arrive, donc je voulais vous montrer. On fléchit légèrement les genoux. On vient s'étirer sur le côté, le menton relevé. Vous devez sentir l'étirement dans votre dos, sur tout votre côté gauche. Allez, fermez les yeux si vous voulez, c'est un retour au calme. Okay. De côté. Allez,
Nickel. Relâche, on arrondit le dos, le menton rentré. Et là, vous étirez tout l'arrière de votre dos. Allez, on va chercher loin devant. Je vous rappelle les genoux toujours fléchis pour qu'il n'y ait aucune tension dans le corps. Nickel. On se relâche. Allez, nickel. On va chercher haut, on va chercher haut. On inspire, on inspire, on inspire. Et on se relâche. Allez. Laissez vos bras balancer. Ça vous fait du bien. Allez, on refait une deuxième fois. Allez, on va chercher haut, on va chercher haut, on inspire. 1, 2. On souffle et on s'applaudit et on a le sourire. Félicitations à tous. Encore une nouvelle séance de passé. Voilà, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de cette pandémie qui fait qu'on est obligé d'être en vidéo pour faire cette séance. J'espère qu'on aura l'occasion bientôt de pouvoir la faire en présentiel pour Terre de Jeux 2024, pour Hérouville Saint-Clair. C'est très important. Motivez-vous. Merci d'être nombreux à me suivre. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !